Madame Bautru aide son mari, qui souffre de séquelles importantes suite à un AVC, au quotidien. Comme elle, plus de 8 millions de Français accompagnent un proche. Une situation éprouvante pour les aidants. C'est quelque chose qui s'improvise, on ne l'apprend pas et ça nous tombe dessus comme ça. Ça me paraît normal de l'aider autant que faire se peut, quitte à y laisser quelquefois une grande partie de moi. En effet, la vie sociale est très perturbée quand on devient aidant, puisque on a tendance à s'enfermer à deux, voire à trois dans la maladie. Et donc, on a tendance à limiter ses sorties, limiter les interactions sociales. Et donc, ce qui fait que c'est assez compliqué pour l'aidant d'avoir des activités de loisirs. C'est compliqué pour la famille et l'entourage, parce qu'en général, ce sont des maladies invisibles qui ne se voient pas. Et donc, c'est difficile de comprendre comment est devenue la personne aidée et comment aider la personne aidante. Donc c'est très compliqué et un isolement familial se crée assez souvent. Donc c'est d'expliquer la maladie à la famille pour qu'ils essaient de comprendre en fait ce qui se vit au sein du couple aidant-aidé. S'autoriser à prendre soin de soi, c'est vraiment très important pour l'aidant. Chacun va le faire de façon singulière, c'est-à-dire aller faire du shopping, faire un tour de vélo. Ça peut être également de se sentir soutenu et aidé. Être écouté, c'est important pour un aidant. C'est aussi s'autoriser à demander de l'aide quand c'est nécessaire, puisqu'en général, on peut s'enfermer dans la maladie. Et demander de l'aide, c'est vraiment important.